Allez, on passe le premier, hein, voilà, toujours pareil. Leclerc à 3 dixièmes, c'est énorme, je pensais qu'il serait plus proche que ça quand même. Pérez est P3, Alonso P4, c'était très serré entre les deux, 3 et 4. Piastri est devant Norris, mais de peu. Les deux McLaren qui ont fait une belle qualif. Les deux Mercedes, par contre, on peut pas en dire autant, encore une fois. Russell devant Hamilton pour 1 dixième et demi, c'est pas si énorme le gap entre les deux. Je m'attendais à pire. Encore une fois, les Mercedes sont nazes, hein, en qualif. Les années passent et se ressemblent en fait, c'est vraiment déprimant. Cette voiture est encore ratée, encore une fois. Tsunoda qui s'est hissé en P9 avec sa V-Carb et Stroll P10. Bierman au final aura fini 11e, c'est pas si mal pour ses débuts au rookie. Bon, on peut penser que Sainz aurait fini 3 ou 4 de la qualif, je pense. Mais bon, voilà, Bierman a fait ce qu'il a pu avec le temps de roulage qu'il avait. Albon 12e, devant Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg qui a eu un problème moteur visiblement et a créé un drapeau rouge. Bottas P16. Les Alpines 17 et 18. C'est mieux que dernier, mais bon, ça reste pas la folie. Sargeant 19e. Et Joe n'avait pas eu le temps de réparer sa voiture, donc voilà, il n'a pas pris part au qualif. Voilà pour ces qualifs. Rendez-vous demain 18h pour le Grand Prix. Bon, bah, ça va être une purge, hein, voilà. Que voulez-vous que je vous dise, clairement. Je vais pas vous promettre. Ah, oh, mais oui, il faut regarder ce Grand Prix, ça va être passionnant. Vous allez voir, Charles Leclerc, il va battre Max Verstappen. D'ailleurs, le classement a changé, c'est Sargeant deuxième maintenant. Ah, bah, écoutez, ça serait marrant cette grille-là, du coup. What the fuck, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on verra ce que ça donne demain. Bye bye.